L'activité du jour. Glace en mousse à raser avec de la colle. Donc on prend un carton ou vous pouvez faire avec ce que vous avez éventuellement un carton de céréales. Ensuite vous dessinez avec un crayon papier ou un feutre un cône en glace et ensuite vous le faites colorier à votre enfant. Voilà. Ensuite, on va prendre une fourchette en plastique avec un petit peu de peinture marron si on veut donner un effet gaufré au cône. Au cône ? Donc, on prend la fourchette et avec la fourchette, on va étaler la peinture tout doucement. Allez, vas-y. Dans un sens et dans l'autre. Du coup, une fois fini, ça donne ça. On va prendre une feuille blanche. On va prendre le cône une fois sec. On va le poser sur la feuille et on va coller. Une fois qu'on a fait ça, on prend un gobelet. Et on va dessiner les boules de glace. Alors on peut faire une boule, deux boules ou trois boules, comme on a envie. On va prendre le crayon papier et on va faire le contour. Ensuite, on va s'attaquer à faire les petites boules de glace. Donc, nous allons prendre notre vernis colle. Vernis colle. Ensuite, nous allons prendre la crème. Donc, c'est de la mousse à raser. Ça, je pense qu'on peut le trouver dans le placard de papa ou de maman. Maintenant, on mélange tout, donc la mousse à raser et la colle. On prend le colorant. Alors, on a des colorants alimentaires. On prend le violet. Le joli violet. Que Mylène a choisi le violet. On met quelques gouttes. Voilà. Et maintenant, on mélange. Donc la consistance, ça doit être quand même assez mousseux.
Ensuite, on aura besoin, pour que ça fasse vraiment réel, de petits décors comme ça, que vous trouvez voilà, pour faire la pâtisserie. Les enfants d'ailleurs sont très gourmands et adorent manger ces petits bonbons sucrés. Donc on a de plusieurs formes, de plusieurs couleurs. Donc Maëlène, tu vas choisir lesquels tu veux mettre. Tu as le droit d'en manger si tu veux. Ah! Donc il faut laisser un petit peu... Ah, ça coule! Il faut laisser un petit peu sécher parce que là, c'est pas encore sec. Mais une fois que ça sera sec, vous pourrez le toucher, ça ne bougera pas. Vous pouvez éventuellement décorer aussi le contour. Voilà, amusez-vous bien!